avec soi-même ici, c'est vraiment valorisé parce que la communication est importante pour les relations d'aide avec les clients. Donc, bien savoir s'exprimer, puis aussi faire preuve des rigueurs, puis d'un côté analytique, parce que c'est un travail assez intellectuel. Il faut vraiment pouvoir aller à la recherche d'informations de toutes sortes de manières. Alors, en entrevue, dans le fond, les deux traits, à la fois le trait humain, puis le trait du contenu plus analytique, les deux devraient ressortir. Puis, on cherche vraiment des gens, ben, je crois, là, ce qu'on m'a dit suite à l'entrevue, c'est qu'ils recherchent vraiment des gens qui peuvent être un bon fit dans l'équipe. Alors, c'est vraiment quelque chose qui doit ressortir, quelqu'un d'authentique, dans le fond. C'est le premier conseil que je donnerais. Évidemment, c'est comme ça dans n'importe quelle entreprise, mais surtout ici, on est tellement une équipe serrée que de vraiment se révéler un peu comme étant quelqu'un qui est social, mais aussi qui peut apporter la rigueur nécessaire au projet. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faudrait démontrer. Pour un candidat qui voudrait travailler ici puis qui recherche un peu les bonnes compétences à avoir, je crois que c'est important d'avoir quand même un bon bagage en finance parce que travailler avec les chiffres puis être capable de regarder les états financiers des clients puis de se faire un avis sur ce qu'on doit leur apporter comme conseil, c'est primordial. On travaille avec des projets d'investissement qui contiennent quand même des chiffres assez importants. Alors, c'est définitivement important d'avoir des connaissances en finance. Puis, les relations humaines, encore une fois, je l'ai déjà mentionné, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit revenir afin de faire un bon travail comme consultant.